Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 38, les versets 1 à 6 et 21 à 22 et suivants. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint lui dire, « Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur
et fit cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David ton ancêtre, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour, je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit, qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. Ézéchias dit, à quel signe reconnaîtrai-je que je pourrais monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'homme qui est déjà descendu sur le cadran solaire d'Akaz, et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendu. Parole du Seigneur. Méditons le cantique d'Isaïe 38. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai place entre les morts pour la fin de mes années. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Ma demeure m'est élevée, arrachée comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie. Le fil est tranché. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Le Seigneur est auprès d'eux, ils vivront. Tout ce qui vit en eux vit.
dans son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Seigneur, tu me guériras, tu me feras. Veuillez vous lever pour l'acclamation à l'évangile. Seigneur, moi, je les connais et elles me suivent. Tout le monde chante, alléluia, et les bravos pour parole bon Dieu, parce que c'est lui qui a guidé chemin. Chante, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 12, du verset 1er au verset 8. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni l'un ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde », non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Donc, quatre figures, c'est Jésus, ses disciples, mais également les pharisiens. Jésus, disciples, pharisiens. Jésus et disciples, cap marché dans, vous parlez de champ de blé. Monsieur opposé une action. Action que vous posez, vous cassez quelques épis de blé, certainement pour manger. Est-ce que l'action que vous faites, action ça, est interdit par la loi? Non. Action n'est pas interdit parce que le nous lit dans le livre de Deutéronome 23, il parlait sous ça. Donc,
casser les épis dans le jardin voisin, ce n'est pas interdit. Maintenant, monsieur yo, les pharisiens, eux-mêmes, ils ont regardé le sabbat. Le sabbat, qui est jour consacré, donc aucune action, pas de fête, jour sabbat. Donc c'est là, ils y sont eux-mêmes. Donc monsieur, ils ont fait ça pendant un jour qui n'est pas réservé pour ça. Donc ils ont été là. Ils ont été certainement dans une interprétation à la surface, ou du moins de l'extérieur. Jésus pral fait une autre interprétation qui pral aller plus en profondeur, la passer de l'extérieur à l'intérieur. C'est ça que fait le pral prend plusieurs contre-arguments. Il pral parler de David, il pral parler des prêtres, il pral même citer le prophète Osée qui dit ce n'est pas les sacrifices que Dieu veut, mais c'est le cœur. Maintenant Jésus avec nouvelle interprétation, il pral aller, c'est un coup il pral inviter monsieur en pile froid nous fait de jugement et de condamnation à partir de ça nous ouais seulement donc à partir des faits, mais non pas chercher qu'on est les mobiles des faits en pile froid ni moi ni nous fait erreur ça. Nous juger mon nom en fonction de ça le faire, mais pas en fonction, pas chercher qu'on est mobile là. Qui ça qui poussait le faire ça? Par exemple, le cas des disciples, oui, ils opposent action le jour du sabbat. Mais action opposée à, texte en dit, c'est parce que ils ont grand goût. Ils ont grand goût, donc ils jouent, ils cherchent un bagage pour manger. Certainement, si ils n'ont pas de fel, ils ont mouru grand goût. Maintenant, est-ce que la vie n'a pas plus d'importance, la conservation de la vie n'a pas plus important que l'observation stricte de la loi? C'est là Jésus l'y allait. Et en pile fois, nous faisons ça tout. Donc, parole bon Dieu, Frère Maxime, qui ça a demandé nous pour nous faire? Parole bon Dieu, a invité nous pour nous éviter condamner, éviter juger à partir de ça nous est, mais plutôt en pile fois, avant jugement, avant condamnation, chercher mettre nous en place l'autre là, chercher comprendre l'autre là, chercher ouais que ça le fait, qui ça qui te motive, qui te mobile, action que l'y poser. Et certainement, l'un chercher mobilio, nous allons rendre nous compte que jugement nous, c'est jugement qu'a fait avec compassion, c'est jugement qu'a fait avec miséricorde, c'est jugement qu'a fait avec cœur sensible, c'est jugement qu'a fait avec empathie, parce que nous essayons de mettre nous à la place li avant même que nous juger. Voilà, c'est leçon, ça, parole bon Dieu, l'y inviter nous tout à nos chats. Oui, Frère Maxime, on nous la prière, bon Dieu. Même Jean, parole bon Dieu, il dit Jésus, reprendre le livre d'Osée qui dit c'est pas sacrifice, bon Dieu, mais c'est le cœur. On nous demande, bon Dieu, pour faire en sorte que nous aller en profondeur, nous sortir de l'extérieur pour aller à l'intérieur, nous sortir de la surface pour aller dans le cœur, car c'est le cœur de l'homme que Dieu veut, non les sacrifices. Amen. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, gracieusement, écoute-nous. Dieu le Père du ciel, prends pitié de nous. Dieu le Fils rédempteur du monde, prends pitié de nous. Dieu le Saint-Esprit, prends pitié de nous. L'Unité Sainte en un seul Dieu, prends pitié de nous. Au très précieux sang de Jésus-Christ, le sang du salut, couvrez-nous, couvrez Haïti et le monde entier. Au sang de Jésus, océan du sang de Jésus-Christ, libérez-nous. Sang de Jésus-Christ, rempli de sainteté et de compassion, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, notre force et notre pouvoir, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, contrat éternel, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, la fondation de la foi chrétienne, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, bouclier de Dieu, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, divine charité, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, ennemi des démons, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, secours des esclaves du malin, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, le vin sacré, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, le pouvoir des chrétiens, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, défenseur du mur catholique, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, vraie foi du chrétien, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, sang guérisseur, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, le sang qui oint, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, audace des enfants de Dieu, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, commandeur des soldats chrétiens, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, le sang de la résurrection, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, la boisson des anges du ciel, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, consolation de Dieu le Père, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, pouvoir de l'Esprit Saint, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, circoncision des païens, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, Père du monde, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, soleil du ciel et de la terre, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, arc-en-ciel dans le paradis, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, espoir des enfants innocents, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, parole de Dieu dans nos cœurs, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, divine sagesse, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, fondation du monde, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, miséricorde de Dieu le Père, sauvez-nous. Au très précieux sang de Jésus-Christ, lavez les péchés du monde. Au très précieux sang de Jésus-Christ, purifiez le monde. Au très précieux sang de Jésus-Christ, montrez-nous comment consoler Jésus. Au très précieux sang de Jésus-Christ, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Au précieux sang de notre salut, nous croyons, espérons et avons confiance en vous. Délivre tous ceux qui sont esclaves des esprits infernaux. Nous vous en supplions. Protégez les mourants contre les attaques des esprits mauvais et accueillez-les dans votre gloire éternelle. Ayez pitié du monde entier et donnez-nous la force d'adorer et de consoler le Sacré-Cœur. Nous vous adorons au précieux sang de miséricorde. Amen. Toi qui te donnes le sang.
Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Louvain, le Seigneur, les dons de ton Église, qui te supplie, accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Donnons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie par la souffrance de la croix. Il nous a délivrés de la mort éternelle par sa résurrection d'entre les morts. Il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges, les amants, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oui, c'est vous qui c'est grand-père, pour moi vous montrez tout le monde. Oui, c'est vous qui c'est grand-père, dans le ciel la sous terre. Oui, c'est vous qui c'est grand-père. Tout bon, sans crier ou montrer ça, les verres où ils sont parés. Elle t'est au précieux là, déjà. Toute nation a chanté Hosanna. Vive-moi maintenant. Oui, c'est où qui c'est grand-mère. La souterre, oui, c'est où qui c'est grand-mère, où amour mon Dieu tout le monde, sans créer au montré ça, les rêves où ils sont parés. Compliment pour si la chanter Hosanna, vive-moi le cœur. Oui, c'est où qui c'est grand-mère, où amour mon Dieu tout le monde. Oui, c'est où qui c'est grand-mère, dans le ciel la souterra. Oui, c'est où qui c'est grand-mère, où amour mon Dieu tout le monde. Sans créer au montré ça, mes veines au sang paraît. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous. Et pour la multitude de la rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de Dieu. Nous allons t'amener dans la gloire.
estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Baptiste le roi, ses évêques auxiliaires nommés, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur notre sans fin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, la régie d'honneur et enfants, garde à diversité et famille, elle si nous dans les familles, sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire, anniversaire de mariage, Junie et Wokenson Giraud, Emmanuel Marc et Marie-Thérèse Marc, les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Céline Dallegrand, Evelyne Tabuto, Franz Sanon, Jacques Acalypse, Marvin Mondésir, Madame Marge Étienne, Madame Paula Étienne Hippolyte, Remarais Jocelyne, Vanéus France, Abby Leila, la douceur, sur les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse, sur chacun et chacune de nous, sur nous qui sommes rassemblés en présentiel et en ligne, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse
et je me dis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Yeah.
soutien, ma forteresse et mon appui. Il est mon repas et mon refuge. Il est mon rocher sur lequel j'ai fondé ma vie. Il me protège et j'ai confiance en lui. Je chanterai le nom. Cette Église, pour la sanctification du Saint-Père, des évêques, des prêtres et de tous les chrétiens. J'invoque votre précieux sang pour la délivrance d'Haïti et du peuple haïtien. Seigneur Jésus, vous qui avez versé votre sang pour la libération de tous les hommes, libérez par votre précieux sang tous ceux qui sont tenus captifs. Seigneur Jésus, j'invoque la grâce de votre précieux sang sur les pécheurs pour leur conversion. J'invoque la puissance de votre précieux sang sur les malades. J'implore la puissance de votre précieux sang sur moi-même et sur les membres de ma famille. Précieux sang de Jésus, mon Sauveur, soyez victorieux en moi, sur mes ennemis et sur le monde entier. Que votre règne arrive, ô mon Dieu, par les très saints de l'homme et le cœur immaculé de Marie. Amen. Et puis, on va faire ensemble, comme nous on en réveille à Sainte-Anne et Saint-Joachim, nous allons faire prière, le veine, et la répéter après nous. Ô bonne Sainte-Anne, ô bonne Sainte-Anne, Mère de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de la Bienheureuse Vierge Marie, et Grand-Mère de Jésus, et Grand-Mère de Jésus, nous te prions avec confiance, nous te prions avec confiance, pour ce monde, pour ce monde, notre pays, nos familles et nous-mêmes, nos familles et nous-mêmes. Aide-nous à imiter ta foi en Dieu. Aide-nous à imiter ta foi en Dieu. Ta patience et ton espérance. Ta patience et ton espérance. Dans la réalisation des promesses de Dieu. Dans la réalisation des promesses de Dieu. Toi qui as consacré la Vierge Marie. Toi qui as consacré la Vierge Marie. Au service du Seigneur. Au service du Seigneur. Aide-nous à nous mettre totalement au service de Dieu.
Aide-nous à nous mettre totalement au service de Dieu. Toi de la puissance d'intercession, toi de la puissance d'intercession, et ta bonté maternelle sont si grandes, et ta bonté maternelle sont si grandes. Viens à notre secours, viens à notre secours, viens au secours de nos familles. Viens au secours de nos familles. Intercède, intercède pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons la paix dans notre pays, dans notre pays et dans nos familles, et dans nos familles. Obtiens-nous de ton petit-fils Jésus, obtiens-nous de ton petit-fils Jésus cette grâce spéciale, cette grâce spéciale. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, vous avez donné à Sainte Anne, vous avez donné à Sainte Anne et à Saint Joachim, et à Saint Joachim, de mettre au monde, de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de votre fils, celle qui deviendrait la mère de votre fils. Accorde-nous à leur commune prière, dans leur commune prière, les grâces dont nous avons besoin, les grâces dont nous avons besoin, notamment, notamment celle de vivre notre vie, celle de vivre notre vie pour toi, pour toi, à l'instar de Sainte Anne et de Saint Joachim, à l'instar de Sainte Anne et de Saint Joachim. Nous te le demandons, nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Annonce, samedi 20 juillet à 8h30, messe de requiem pour le repos de l'âme de Monique Chadic Saint-Louis, sœur de Mgr Serge B. Chadic et maman du père Edwin Saint-Louis. Messe à la fête dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, nous voulons souhaiter le joyeux anniversaire à ceux qui célèbrent l'anniversaire, anniversaire du mariage et anniversaire de naissance. Il y a un autre là qui a célébré, on est capable d'avancer. On en a profité de souhaiter le joyeux anniversaire de mariage à Julie et Roquine Giraud, Emmanuel Marc et Marie-Thérèse Marc. Joyeux anniversaire de naissance à Célène Dalégran, Evelyne Tabuto, France Sanon, Jacques A. de Calix, Marvin, Mon Désir, Marge Etienne, Paula Etienne Hippolyte, Remarais Jocelyne, Vanéus Franz Gary, Abby, Laila, Maëva, Megam, la douceur. Voilà, toutes ces personnes, je souhaite un joyeux anniversaire. Nous demandons au duo de prendre mon nom un chant en la circonstance. Thank you.
de vous. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, disposons-nous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je voudrais me cacher dans